ONG Vivre Mieux, Dameou Rabita. Oliva, c'est pas tout ce que tu vois dans la vie que tu dois manger. Y a des couleurs de vêtements que tu ne dois pas porter. Je dis, y a des nourritures dans la vie que tu ne dois pas manger. Jamais. Horoscope du jour, mardi 12 juillet 2022. Bélier. L'impact de Vénus sera positif pour la majorité des natifs mariés, car c'est avec votre conjoint ou partenaire que vous découvrirez une intensité amoureuse nouvelle. Célibataire. L'impact de l'astre Mars sera renforcé par celui du Soleil. Résultat, vous aurez droit à une très belle histoire d'amour. Il pourra se passer aujourd'hui bien des choses sur le plan financier. Au positif, les planètes vous pousseront à prendre des décisions importantes. Vous aurez intérêt à présenter vos projets de création aujourd'hui. Il y a de grandes chances pour qu'ils soient approuvés. Votre travail quotidien vous donnera plein de satisfaction. Taureau, vous aurez besoin de fidélité et de sécurité sur le plan conjugal. D'un autre côté, Jupiter influençant votre signe va développer votre sensualité. Célibataire, l'amour sera placé ce jour sous le signe de la complication. Pluton vous sera dans l'ensemble favorable sur le plan financier, provoquant peut-être, même pour certains, une rentrée d'argent importante. Vous devez lutter contre l'effet désorganisateur de cette configuration de Mars. Redoublez de vigilance dans votre travail pour ne pas commettre d'erreurs d'attention, erreurs que vous ne vous pardonnerez pas. Gémeaux, si vous voulez établir une relation de couple durable, cette journée y sera très favorable. En effet, l'amour conjugal sera sous les aspects planétaires les plus constructifs possibles. Si vous êtes célibataire de moins de 30 ans à la recherche de l'âme sœur, votre situation pourrait s'arranger rapidement grâce à la rencontre que vous ménagera la planète Vénus ce jour. Un vent de chance matérielle vous redonnera confiance en vous et vous vous sentirez nettement mieux dans votre peau. Tout ce qui touche à votre famille et à vos proches en relation avec les finances se verra favorisé. Cancer. Avec Uranus et Neptune influençant le secteur amour, vous devez vivre des heures animées. Pour certains, ce sera un coup de foudre dans des circonstances romantiques. Pour ceux qui sont mariés, vous ne manquerez pas d'imagination pour témoigner votre amour à votre partenaire qui vous le rendra bien. Avec cet aspect de Neptune, vous devez rester vigilant concernant vos finances, vous méfier des mauvais choix et réfléchir longuement avant de signer le moindre contrat ou le moindre engagement. Mais rassurez-vous, les astres seront avec vous et vous redonneront du cœur à l'ouvrage. Lion. Trois planètes énergiques influençant le secteur mariage, voilà qui va mettre une certaine animation dans votre vie conjugale. Dans l'ensemble, ce sera la belle entente, chacun étant à l'écoute de l'autre. Célibataire, vous êtes une âme en peine depuis longtemps et trouver l'âme sœur vous semble mission impossible. La planète Jupiter, en bel aspect, apportera aux natifs du signe, la certitude d'une vie matérielle sans souci et même très confortable. Dans le travail, tout sera favorable à la réalisation de vos divers projets. Il ne faudra donc pas perdre votre temps à convaincre les autres du bien fondé de vos agissements. Vierge, cette ambiance astrale sera favorable à la consolidation de la vie à deux. Au lieu de créer un climat passionnel et de chercher à établir des rapports de force avec votre partenaire, vous renforcerez vos liens de complicité avec lui. Célibataire, vous envisagerez votre avenir amoureux avec optimisme et votre vision plus nette des choses vous permettra de mieux juger ce qui est bon pour trouver la personne qui vous convient et qui vous complète. Jupiter, le maître de la chance et de la fortune, devrait en principe vous valoir une période très favorable sur le plan financier. Malheureusement, il sera en même temps un aspect disharmonique, ce qui risque de vous rendre excessivement imprudent. Balance. Uranus perturbera votre vie conjugale. Cependant, si vous faites les efforts nécessaires, vous pourrez enfin trouver un terrain d'entente avec votre conjoint ou partenaire
et enterrer la hache de guerre pour un bon moment. Rien de bien excitant en vue pour les natifs célibataires. Les uns pourraient trouver du réconfort du côté de l'amitié amoureuse, tandis que les autres se contenteront de leur entourage familial pour tromper leur solitude. Patience, votre tour viendra. L'environnement astral vous réservera quelques perturbations financières au niveau du capital, d'un héritage, d'une succession. Les solutions seront très difficiles à trouver. Scorpion, natif marié, vous aurez la bénédiction des astres. Vos relations de couple pourront être remises en question et prendre une tournure différente qui sera plus durable ou plus stable. Célibataire, n'hésitez pas à faire vos valises et à partir à l'étranger. Ce jour, l'amour aura de grandes chances d'être au bout du voyage. Vous aurez envie de vous occuper de votre intérieur. Ce sera une excellente chose, d'autant plus que votre résistance, lorsque vous vous y sentez bien, est pour un facteur d'équilibre. Sagittaire, une journée très verte amoureusement pour les natifs de tout poil, quel que soit leur âge. Le soleil augmentera votre appétit insatiable d'avoir toujours plus de richesses, de confort matériel, de gager. Sachez cependant que cette course effrénée vers la possession vous rendra finalement malheureux. L'homme qui ne se contente pas du peu ne sera jamais content de rien. Un associé ou un collègue qui a mal interprété vos propos vous cherchera querelle. N'es pas sur vos grands chevaux. Faites-lui comprendre bien calmement qu'il s'agit d'un regrettable malentendu. Capricorne, plus ouvert, plus expansif, sous l'impulsion d'Uranus, vous serez en mesure de renforcer vos liens de complicité avec la personne qui partage votre vie. De plus, ensemble, vous vous lancerez dans de grands projets et défendrez des causes qui vous semblent justes. Célibataire, vous devrez faire une rencontre insolite. Cette fois, si vous savez ouvrir les yeux, ne prenez pas en charge les problèmes financiers d'autrui. Pensez plutôt à gérer votre patrimoine avec rigueur et vigilance. Évitez de conclure les transactions financières ou commerciales. Ce jour, le bilan sera décevant, sinon catastrophique. Verseau, climat très romantique, favorable à la douce folie et à la rêverie. Les cœurs solitaires pourraient bien rencontrer l'âme sœur au coin de la rue. Quant aux natifs ayant déjà la corde au cou, gare aux tentations. Le chant des sirènes s'avérera très doux à leur oreille. Situation contradictoire. Le soleil vous poussera à dépenser et les ondes de Jupiter vous inciteront à épargner. La planète Saturne accordera la chance dans le domaine professionnel. Poisson, l'ambiance astrale étant plutôt mélancolique, vous vous ennuierez probablement un peu aujourd'hui et vous aurez fort envie de mettre de l'originalité et une pointe d'humour dans votre vie conjugale. Célibataire, l'heure ne sera pas à la prudence ou à l'indifférence. Côté amour, vous serez fortement prêt à foncer aveuglément sans savoir où cela pourra vous mener. Les finances ne seront pas brillantes, mais elles seront loin d'être catastrophiques. Il faudra prévoir certains retards dans la récupération de vos créances, retards qui sont d'ailleurs dus principalement à votre négligence pour tout ce qui se rapporte aux questions financières. Dame et Orabital, visionnaire astrologue, vous souhaite une bonne journée. Et je vous rappelle que les signes chanceux de ce mois de juillet, nous avons Bélier, Gémeaux, Cancer, Lion, Balance, Scorpion, Sagittaire et Poisson. Utilisez le savon sachet tout au long du mois de juillet. Quant aux autres signes, à savoir Taureau, Vierge, Capricorne et Verseau, vous devez utiliser le parfum Salmon de Genève car le mois de juillet 2022 vous sera difficile sur le plan financier. Merci à vous. Pour tout contact, appelez-nous au 94 46 15 75. Je vous remercie.